Bonjour. Au club fan de culture de France Télévisions. Ah. T'as vu comment elle m'obéit bien? Ouais, mieux que toi. Ça s'appelle Tempête. Tempête, ça pète. Oh, oh, oh. J'ai trouvé que le couple que formaient nos personnages était assez bien vu, juste, bien écrit. Ils s'effondrent pas et en même temps, ils sont pas trop positifs. Enfin, il y avait quelque chose d'assez assez juste là-dedans. Ouais. Ouais. Je suis assez d'accord. Et je pense qu'il y a aussi... Je suis très d'accord. Il y a évidemment un aspect hyper spectaculaire de par les chevaux qui sont filmés de manière assez magnifique d'ailleurs. J'ai fait une formation de 2 mois pour driver un sulky. Driver un sulky, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, driver un sulky? Ce sont les charrettes à deux roues qui sont attelées à des chevaux. Donc il y a à la fois cet aspect-là que je voulais absolument faire moi-même, en tout cas, et que je voulais absolument traverser. Et en plus, c'est ce que tu disais, c'est la possibilité de créer un noyau familial assez fort, assez pudique, assez juste. On parle de la résilience, on parle du handicap, effectivement, on parle de comment une famille arrive à se relever après un événement aussi douloureux que ce qui nous arrive. En tout cas, il y a une espèce de beauté là-dedans, quelque chose qui avance, en tout cas, vers une forme de lumière, en tout cas, parce qu'effectivement, il y a des moments qui sont extrêmement sombres qu'on traverse dans ce film. C'est ces gens qui décident de se relever quoi qu'il arrive. C'est ce qui m'a touché aussi quand j'ai lu le scénario, quoi. C'est vrai qu'on dit toujours « Oh là là, tu vas tourner avec des animaux, c'est dur. Oh là là, tu vas tourner avec des enfants, c'est dur. » C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Après, c'est bon. Pas toujours le cas. Là, on a fait animaux-enfants. Ouais, de nuit. On avait beaucoup une espèce de d'accumulation. ça faisait beaucoup. Mais en même temps, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste s'adapter. Il faut être à l'écoute, en fait. Quand on joue avec un enfant, il faut être avec lui. Il faut l'écouter. Et les animaux, c'est pareil. Et sur un tournage comme ça, il faut absolument se laisser aller. Il faut absolument accepter que les personnes importantes du film, c'est les animaux et les enfants. C'est un moteur de curiosité infinie et vraiment génial. Ça me remplit de joie. Joy, joy, joy. Joy.